Bonjour tout le monde, bonjour les amis, bonjour la famille des résistants. J'espère que vous allez bien en cette actualité qui est de plus en plus dramatique, morose. On a les incendies, on a eu l'agression de cette petite jeune fille à Cherbourg. Alors, je n'étais pas du tout au courant. C'est plutôt grâce aux vidéos YouTube que j'ai appris ce qui s'est passé parce que c'est très peu médiatisé. Ok, alors aujourd'hui on va regarder un petit peu justement le danger par rapport aux femmes. Alors vous avez remarqué quand même, parce que là on ne peut pas ne pas le voir, que les enfants, les petits-enfants, mais aussi les ados, enfin par exemple je pense à la petite Lola hein, qui avait 12 ans, donc pré-ado, on voit quand même qu'il y a vraiment une cible. Moi j'ai l'impression qu'il y a une cible qui est ici, là, déterminée. Et donc les enfants et les jeunes filles et les femmes. Donc moi, je voudrais regarder ici déjà si il y a une volonté, par exemple, pourquoi est-ce qu'on a des agressions comme ça? Et s'il y a une volonté manifeste, donc par rapport à un but à atteindre, si les autorités vont réagir, et puis surtout si ce genre d'atrocité va recommencer. Donc je suis en train de mélanger les cartes, là vous entendez sans doute. Hein. Je suis en train de mélanger l'oracle du subconscient. Je vais prendre sans doute le Dixit aujourd'hui. Et puis je verrai selon mes humeurs. Voilà. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur ces atrocités? Déjà, on va demander, est-ce qu'il y a un risque que ça recommence? Voilà. Ah, je crois que j'ai un chat qui vient me rejoindre. Ah, si vous entendez miaou, ne vous inquiétez pas, c'est qu'il sera là. Alors, la vache sacrée. Donc ça, c'est plutôt le côté animal, normalement. Et le côté chouette. D'accord. Alors, ça, c'est la nature. Et là, il y a la question des discernements. Alors, normalement, la vache sacrée, ce n'est pas une mauvaise carte. Qu'est-ce que j'ai en dessous? Le désert. Le désert. Alors, est-ce qu'on pourrait y voir éventuellement le respect? Le respect par rapport à des choses qui sont sacrées. J'essaie de comprendre ma carte. La vache sacrée, normalement, c'est un animal qui est vénéré, hein, qui est sacré. Donc, généralement, enfin, c'est en Inde, hein, elles sont très respectées. Et quand elles sont sur la route, eh bien, on fait attention de ne pas leur faire du mal. On leur laisse le passage. Donc là, il y a des questions de sacré. Qui, vous voyez, désert, donc qui disparaît. Donc c'est un respect qui disparaît. Il y a les questions de discernement. Et qu'est-ce qu'on a en dessous? L'homme. Ah bah tiens, ouais. Donc ici, on y voit vraiment des hommes qui ne respectent plus rien. Une absence de respect. Voilà. Une absence. Bah oui, j'ai tout dit, hein. Par rapport à quelque chose qui est sacré. Bon. C'est plus le côté sacré que je vois plutôt que le côté vache. Hein. C'est symbolique, évidemment, puisqu'on n'est pas du tout dans les histoires en relation avec l'Inde. Alors, on va regarder un peu. Est-ce que ça pourrait enfin, revenir, quoi, se répéter, ce genre de malfaisance, hein, d'atrocité. Enfin, je ne sais pas si on peut trouver des mots pour ce qui a été fait. Je ne sais pas. C'est même plus que de la barbarie, là. Enfin, ouais, bon. Alors, il y a des choses qu'on ne nous dit pas. J'espère que vous voyez bien. Voilà, il faut que j'essaie de bien cadrer, n'est-ce pas? Donc, il y a des choses qui sont cachées. Ici, il y a les choses en relation avec l'amusement ou les plaisirs ou les loisirs. Mais c'est en contre. Ici, on a le phare, donc un soutien aux lumières. Et là, on a le cimetière. Bon. Alors, je sais que pour Indigo, le cimetière, ce sont les esprits, normalement, les esprits errants. Mais c'est aussi les mauvais esprits. Donc le phare avec le cimetière, on peut interpréter qu'il y ait par exemple une absence de lumière, on va dire, morale, puisque ça, le phare, vous voyez, c'est magnifique, hein, cette carte-là. C'est vraiment le côté éclairage, mais éclairage un petit peu divin, spirituel. Et là, le cimetière, donc c'est la disparition de la morale pour moi. Et au contraire, ici, on a quelque chose qui remplace la lumière spirituelle, qui guide, qui éclaire par les esprits, les mauvais esprits. Donc il y a la question, pardon, de malfaisance ou de mauvais esprits ici. Donc là, on est plutôt sur l'agresseur ou les agresseurs, hein.
Moi, je pense par exemple à la petite Lola, mais pas que, hein. Il y a plein d'autres enfants, plein d'autres jeunes filles qui sont agressées. Donc ça, eh bien, ce sont vraiment des personnes qui sont dans les choses malfaisantes, vous voyez, ou qui sont peut-être même d'ailleurs, j'ai envie de dire, possédées par des mauvais esprits. On a ici, alors, les influences, c'est le manège, donc c'est s'amuser à tout prix, l'absence de morale, et vous voyez, des choses qui sont cachées. C'est curieux que je sorte ces cartes-là, quand même. C'est comme s'il y avait vraiment des esprits malfaisants, quelque part, ici, qui étaient cachés, et qui se sont incarnés, quelque part, hein. Enfin, moi, c'est ce que je ressens, en tout cas. Donc, à la question, est-ce que ça risque de recommencer? Eh bien, là, il y a un très net avertissement qui dit qu'il y a de la lumière, bonne lumière, la morale, qui a été remplacée par des mauvais esprits, hein, des esprits errants. Ici, vous avez le lit. Alors, le lit, évidemment, on peut y voir les histoires de repos, évidemment, mais aussi l'intimité. C'est-à-dire que cet agresseur, eh bien, s'est introduit dans, par effraction, dans la maison de la jeune fille. Donc, il est vraiment entré dans la vie privée, dans son intimité, hein. Le lit, on est vraiment, voilà, par rapport à ce qui est arrivé, hein. Alors, le manège, coup de balai. Donc ça, c'est plutôt bah, le coup de balai, donc la fin. Ben moi, je me demande voilà, j'ai parlé d'amusement, mais si également ça n'allait pas influencer sur le fait de vouloir sortir et de s'amuser. Hein. Il y a à la fin un petit peu de l'amusement là, hein, avec ces deux cartes ensemble. Hein. Ici, on a une prison, vous voyez. Donc la lumière divine qui est emprisonnée ici. Et là, on a au contraire les esprits errants qui sont, vous voyez, dans le soleil, donc qui sont libérés, hein, ou qui sont mis en lumière. C'est vraiment ça, hein. Donc on a quelque chose qui se dessine ici, hein. Ouais, il y a quelque chose qui se dessine. Alors qu'est-ce qu'on peut nous dire sur ces histoires d'esprits errants ou malfaisants qui se sont incarnés? On va voir si j'ai une carte. Alors, j'ai le renard. Bon, il y a beaucoup de tromperies ici, mais ça veut dire aussi qu'il faut faire attention à ces gens-là. Le renard, ça peut être aussi la prudence, ouais. On va voir s'il y a d'autres choses qui sortent. La cigogne, ce sont des gens. Alors, déménageurs, regardez si je la prends ou pas. Ouais, la boussole. Bon. C'est une nouvelle orientation qui arrive là. Alors, ça me dit aussi que ce sont des gens qui ont dû changer de pays. Bah, je suis désolée, mais c'est la vérité. Donc, bon, sans vouloir, n'est-ce pas, parler de. Bon. Certains pays ou de certaines personnes étrangères, n'est-ce pas? Parce que faut voir le politiquement correct, on n'a plus le droit de rien dire, hein. Mais n'empêche que moi, avec des cartes comme ça, ce sont des gens qui ont déménagé, qui donc, voilà, la boussole, qui ont un changement de vie et bah, qui sont venus, voilà, en France, hein, point. Et tant pis s'il y en a à qui ça plaît pas. Bon, alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre sur ces gens-là? Santa Muerte, bon, donc ce sont des gens qui sont vraiment porteurs de malfaisance, mais qui peuvent aussi entraîner la mort. Donc, des gens, voyez, très dangereux, et ça sort tout de suite. Hein. Donc, il y a bien, effectivement, un gros risque que ceci se réactualise, quoi. Que ceci recommence. Bon. Alors, vous voyez qu'en fait, pardon, excusez-moi, quand j'ai la voix qui part, c'est que je dis des choses sensibles. Vous voyez qu'en fait, le jeu m'a dit tout de suite que ce sont vraiment des esprits malfaisants. Hein. Le cimetière, ce sont des esprits errants. Ce sont des esprits mauvais, en fait, le cimetière. Ce sont également, à mon sens, des gens qui ne respectent pas la vie, puisqu'on a le cimetière. Donc, ils ne respectent ni le sacré, ni la vie. Donc, ce sont des démons. Ce sont des démons. Bah, c'est ça la définition d'un démon, hein. Donc, il n'y a rien à attendre, en fait, de ces gens-là. Puisque ce ne sont plus des personnes, mais ce sont pour moi des démons, des entités. Ou plutôt des démons qui se sont incarnés sur le plan physique. Alors, j'ai dit que ce sont des gens qui sont en relation avec l'étranger, mais est-ce qu'ils pourraient venir de plus loin? On va essayer de demander un petit peu. Parce que je ne sais pas pour vous, mais moi, je sens des choses bizarres. Voilà. Je sens qu'il y a des choses bizarres qui sont là actuellement sur notre planète. C'est pour ça d'ailleurs que la prière, c'est le meilleur outil pour se protéger, hein. Je vous le dis en toute sincérité et en toute conviction. Il faut vraiment prier
et demander une protection. Alors oui, j'ai pris un autre tas de Dixit parce que comme d'habitude, voilà, j'en ai énormément, n'est-ce pas? Donc on va voir ce qui sort, hein, je sais pas, je prie au pif. Hein. Bon, alors moi j'ai envie de savoir ces gens-là, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre sur eux? Donc je parle évidemment des malfaisants. On va regarder ici, on va regarder ce que mon Dixit me sort. Alors, par rapport aux agresseurs. Alors là, bon, il provoque de la tristesse. Alors ça, c'est intéressant. En fait, cette carte-là, je l'ai comprise avec un peu de retard. Avec un peu de retard, c'est la réincarnation, ça. Donc, il y a des questions d'incarnation ou de réincarnation. Ouais. En dessous, il y a la spiritualité, justement. Mais il y a des questions aussi de désespoir. Donc, c'est comme si... Alors, est-ce que ce sont des gens qui sont réincarnés, des mauvais esprits qui sont réincarnés? Ou qui sont là pour apporter le désespoir? C'est curieux, cette carte-là, quand même. Bon, on va regarder ce qui sort. Bah, c'est possible hein, que ce soit des gens qui soient réincarnés... pour faire le mal, hein. Malheureusement, il y en a. Hein. Ouais. C'est bizarre. Bon, alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur ces agresseurs? Alors, je dis c'est parce que, à mon avis, bah, il y en a plusieurs. Hein. Alors, tiens, la chauve-souris. Ouais. Communication bloquée. Et là, qu'est-ce qu'on a? Alors, le désespoir et il faut se tourner vers le ciel. Vous voyez, c'est curieux, la chauve-souris, vous voyez, pour moi, ce sont eux, là. Bon, on ne va pas regarder le bus scolaire, hein. C'est pas ça que je vois dans la carte, moi. Moi, je vois plutôt la chauve-souris au plafond, là. C'est-à-dire, en fait, des gens qui sortent la nuit. Qui sortent la nuit pour fondre sur leur proie. En fait, c'est vraiment ce que j'ai en tête, hein. Vous voyez. D'ailleurs, le bus peut donner aussi une idée de mouvement. Le fait que la communication soit bloquée, c'est qu'on ne nous en parle pas ici. Il y a une volonté manifeste de taire les choses. Et là, bah, c'est les gens qui désespèrent. Hein. Mais voyez, le petit garçon ici a toujours la tête vers les étoiles. Donc, il faut vraiment continuer à espérer. Tout ça n'aura qu'un temps. Le problème, c'est qu'il y a des victimes. Et moi, je ne saurais que conseiller aux femmes, aux jeunes filles, de se protéger. Mais je ne sais pas, elles ne m'écoutent pas. Donc, enfin, m'écoutent pas moi. Mais enfin, je veux dire, ce n'est pas mon public, en fait. Hein. C'est pas les... Au niveau des abonnés, j'ai une tranche d'âge qui est un petit peu plus âgée. Donc je ne sais pas comment faire passer le message. Hein. Il faudrait que vous, si vous avez des jeunes, enfin des enfants qui sont justement dans cette tranche d'âge ou des petits enfants même, il faudrait que vous essayiez de passer le message. Hein. Faut se protéger absolument. Hein. Donc on va voir ce qu'on nous sort d'autre sur. Alors là c'est les agresseurs, mais là c'est la communication qui est bloquée. Donc on ne nous dit rien. Et là il y a les gens qui désespèrent, hein, qui désespèrent de ce monde en fait. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Bon, bah ça, c'est encore éventuellement les agresseurs, vous voyez, qui volent. Donc, ils sont laissés libres aussi. Alors là, on a un voleur, ou enfin bref, un crocodile qui a un œuf. Bon, alors, je ne sais pas pourquoi j'ai pensé à un voleur, moi. Ouais, ça, c'est des, ouais, ça, c'est les gens... Alors, c'est le côté reptilien que je vois, moi, avec une carte comme ça. C'est le côté reptilien. Donc, ce sont des gens reptiliens, vous voyez. Bon, vous savez ce que c'est qu'un reptilien, hein, un prédateur, hein, qui sont partis d'un endroit pour aller à un autre endroit. Ouais. Bon. Et là, c'est toujours, c'est la déception. Hein. Ça, je vois plutôt le public, moi, qui ne sait plus comment faire. Et qui est vraiment encore dans l'illusion, peut-être que les choses vont changer. Alors, est-ce qu'on peut nous reparler un petit peu de ces prédateurs, là, d'où ils viennent? Bon, on voit qu'ils ont changé de pays. Bah ouais, ok. Est-ce qu'il y a encore autre chose? On va rester là-dessus. Alors, il y a des questions de spiritualité et des questions d'amélioration. Ouais. Donc, des gens qui ont changé de pays pour éventuellement des questions de nourriture.
Alors, spiritualité, on va regarder. Et fin d'une civilisation. D'accord. Bon, bah ça, avec la spiritualité, j'ai envie de dire que ce sont des gens qui sont d'une certaine religion. Hein. Ben oui, je sais, mais c'est comme ça. C'est ce que je vois. Hein. Sans parler d'une religion particulière, mais c'est une religion qui, vous voyez, qui aura pour conséquence la destruction de la société. Tant pis s'il y en a à qui ça ne plaît pas. Alors, ici, on a les questions de communication qui ressortent deux fois. Donc, des gens qui ont quitté leur pays pour, effectivement, avoir de la nourriture hein, ou des aides. Mais il y a aussi les questions de communication, ici. Bon, alors, il ne répond pas tout à fait à la question. D'où viennent ces gens? Bon, ben là, il a répondu. Le tunnel des enfers. D'accord. Alors, est-ce que ça veut dire que, bon, là, sur le plan, on va dire, humain, ce sont bien des personnes qui sont en route, qui viennent d'autres pays, hein, vous avez compris, des reptiliens, donc c'est pas des humains, les reptiliens, hein, ce sont des prédateurs, même s'il a l'air sympa sur la carte, d'accord? C'est vraiment très net ici, puis en plus, il pleut sur la carte, j'avais pas vu, donc ils amènent le mauvais temps, voilà, avec leur valise, et eux-mêmes cherchent une amélioration au niveau de leur vie, de leur nourriture, etc. Ici, il y a les questions des réseaux sociaux, donc faut surtout pas en parler de ces personnes-là. Il y a des questions de religion, mais c'est pas une bonne religion parce que c'est une religion qui vise à détruire les fondements d'une société que l'on connaît. Et à la question d'où viennent-ils, le tunnel des enfers. On va demander un petit peu s'ils peuvent être en relation avec certaines choses occultes ou je ne sais pas. On va regarder parce que j'ai quand même le tunnel des enfers ici. Ah ouais, c'est marrant, j'ai carrément le diable là. Le dragon dans la Bible, et on a l'impression que ce sont des Bibles. Ici, c'est le diable. Hein. Vous voyez, le tunnel des enfers, et là, le diable. Le diable, ici, qui avale des livres. Donc ça, c'est pour moi la culture. Hein. Il y a les questions de destruction de culture, ici. Donc en fait, il y a vraiment les questions de malfaisants, hein, mais aussi de détruire une culture. Ouais, on va demander si leur venue a été programmée, on va dire, ou facilitée par quelqu'un. Il y a les questions mondiales, donc il y a bien un plan mondial ici. Vous voyez, il y a le monde sur les constellations, le monde. D'accord, et quoi d'autre? Oh, ça fait deux fois qu'on a les histoires de destruction. Hein. Bon, ok. Donc, ce sont des personnes, enfin des personnes, je ne sais pas si on peut les appeler personnes, enfin bref, on va dire ce sont des gens qui se sont incarnés ou qui ont été appelés, bah écoutez, bah, voilà, moi j'ai le tunnel des enfers, j'avais parlé de réincarnation, oui, mais il y a aussi la notion quelque part d'esprit malfaisant, d'être possédé par des esprits malfaisants, de démons, bon. Mais à un niveau, on va dire, plus terrestre, il y a ici une volonté d'avoir ces personnes-là au sein de la société pour détruire celle-ci. Il y a destruction de culture ici et destruction de société. On l'a eu deux fois. C'est sorti. Hein. Je vous dis, je ne sais pas ce que j'ai dans le paquet. Donc ces gens-là sont aussi mis en place quelque part ou appelés d'une façon ou d'une autre pour détruire la société. On va essayer de voir si on peut encore avoir d'autres infos. C'est encore quelque chose qui est très secret. Hein. Ça fait partie d'un plan secret. Vous voyez, c'est sous l'eau. Donc, tout ça, c'est voulu. Alors, voulu par qui? Alors là, voulu par qui? Voulu par qui? Par des gens qui sont en équilibre ou qui veulent éventuellement rompre l'équilibre. C'est qui ces gens-là? Attendez, on va essayer de voir. Ah, d'accord. Ce sont des gens qui mettent les enfants en vente. Donc, c'est les... Comment je pourrais dire? Bon, les mondialistes, on peut les appeler comme ça, hein, sachant que les mondialistes, il y a quand même une grande partie qui... Et effectivement, dans les histoires de, voilà, on vend les enfants, ou on considère que les enfants, ce sont des jouets. Regardez, j'ai un enfant ici, qui a une étiquette, voyez, et qui est à vendre
au même titre que des jouets. D'accord. D'accord, ok. On va quand même regarder là. Alors ça, normalement, c'est Dieu. Normalement, là, c'est Dieu. Ok. Qu'est-ce qu'il va faire là? Et ça, c'est les ténèbres. Ouais, bon, bah, c'est le combat spirituel, hein. Dieu et les ténèbres. Donc, ok. Et là, éventuellement, bah, ça peut être nous. Ça n'est pas dans le bon sens, ouais. Ça peut être les hommes sur Terre qui doivent absolument s'élever. Ah, j'avais pas vu, il y a un... Ah ouais, d'accord. En fait, il y a une espèce de trou de serrure là, vous voyez, la porte. Je ne sais pas si vous voyez sur la carte. Vous voyez? Et en fait, les petits bonshommes. Ah, je comprends la carte maintenant. Ils viennent du sol et ils s'élèvent. Et plus ils s'élèvent, plus ils peuvent passer par l'espèce de trou de serrure, là, voyez, voilà. Donc, c'est une solution. Donc, alors, oui, je vais peut-être un peu vite. Ce que je veux dire, c'est que ici, on nous montre vraiment, vous voyez, vous avez le Dieu, là, le souffle divin, ici. Et là, vous avez les ténèbres qui attendent. Voilà. Et entre les deux, eh bien, bah, c'est nous. En fait, on a la possibilité, en élevant notre spiritualité, notre éclairage intérieur, si vous voulez, voyez, hop, de trouver la solution et d'échapper à tout ça. Ah oui, j'avais pas vu du tout la carte, moi. Bah oui, parfois je redécouvre mes cartes, hein, c'est des petits détails comme ça qui me sautent aux yeux. D'accord. Donc ça, c'est notre porte de sortie. Bon, ok. Bah il m'en dira pas plus, hein, mais je pense que c'est les mondialistes. C'est bizarre parce que vous avez remarqué que les mondialistes qui sortent là, et puis là, on voit par rapport aux enfants, ils sont quand même sur la corde raide ici. Donc actuellement là, ils sont en mauvaise position. On sait pourquoi, hein, avec les BRICS qui sont en train de les menacer dans leur plan, dans leur hégémonie. C'est assez intéressant d'ailleurs ce que je sors comme carte là. Ouais, voilà, ils sont en train de jongler avec tout ce qu'ils peuvent. Hein, ça fait deux fois. Hein. On a vraiment les questions d'équilibre là et là. Ouais, oui, attends, encore les questions de réincarnation. Bon, ok. Mais on a les... Ici, vraiment, des mondialistes qui sont en mauvaise posture. Qui sont en mauvaise posture. Bon, voilà. Alors, bon, on a des informations là quand même. Hein. On a des informations intéressantes. Hein. Donc, on voit que ce sont des gens qui ont été mis en place ici pour déstabiliser une société. On va essayer de voir pourquoi est-ce que les femmes sont attaquées. Pourquoi est-ce que les femmes et les enfants ont déstabilisé une société. Mais pourquoi les femmes et les enfants? Pourquoi? Alors ça, c'est les. Alors ça, ça me dit bien que les femmes doivent faire attention. Hein. Bon, alors là, il ne me dit pas pourquoi. Il me dit que les femmes doivent faire attention. Vous voyez, une femme ici qui protège son intérieur et qui a une arme. Donc là, on me dit attention pour les femmes. Oui, mais pourquoi est-ce qu'elles sont la cible de ces monstres? Spiritualité encore, ouais. Ah, c'est la convoitise. Bon, là, c'est simplement ici. En fait, il finissait de répondre à ma question. Les femmes doivent se protéger et prier. Hein, okay? Et là, la réponse à la question, c'est la convoitise. Voilà. Vous voyez la petite flamme intérieure, la beauté. Hein? Et là, vous n'avez que des monstres autour. Donc, la convoitise. Les femmes sont convoitées. Ah, c'est incroyable. Je ne pensais pas sortir cette carte-là, moi. Et vous remarquez également que ces monstres, ce sont encore une fois des reptiliens. Donc, comme des démons, en fait. Donc, il y a une volonté de convoitise, de convoiter quelque chose qui est beau et qui est lumineux. Ouais, bah oui, ça paraît logique, hein, puisque là, on a parlé quand même beaucoup d'entités, de malfaisants, de démons, de reptiliens qu'on retrouve ici. C'est vrai que la beauté, et les femmes, bah, écoutez, par essence, les femmes sont belles, hein, les jeunes filles, les jeunes femmes. Ben voilà, ce sont en fait, il y a des espèces de lumières ici qui attirent les monstres. C'est pour ça qu'ici, il faut absolument, voilà, que les jeunes femmes se protègent de façon physique avec une épée pour qu'elles puissent se défendre, mais aussi de façon spirituelle. Est-ce que c'est leur âme qui est en danger, leur corps, bon, mais leur âme. Il y a la volonté de détruire l'âme aussi de ces jeunes filles. Ah ben oui, c'est la pureté, bien sûr. La pureté doit être détruite.
Donc c'est pour ça que les enfants sont ciblés, et les jeunes filles, les jeunes femmes. Tout ce qui est innocent, tout ce qui est pur. Ouais. Donc ça les attire. Vous savez, c'est comme les papillons de nuit qui sont attirés par la lumière. Ben, c'est ça. C'est ça. Donc faut vraiment, vraiment faire attention. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore? Bon là, là c'est un petit peu les outils. Alors c'est aussi une chouette, hein. Donc les outils, il faut se donner les outils aussi d'être sage ou d'être bien conseillé, vous voyez? Donc de faire preuve aussi de sagesse et de prudence. Mais il y a toujours les outils, hein. Ça veut dire, ouais, je vous dis, en fait, les femmes, il faut qu'elles apprennent à se défendre, qu'elles fassent preuve de sagesse. Voilà, regarde, on a encore une jeune fille, une jeune femme, là. On ne sait pas trop exactement quelle tranche d'âge. Hein. Bon, je dirais entre 12 et éventuellement 18, 19 ans, là. C'est difficile à voir sur la carte. Ouais. Ah, c'est, ouais, voilà, une ado, ouais. Encore. Vous voyez. Alors là, il y a le conseil qui est donné aux femmes aussi de s'éloigner, hein. De chercher une protection céleste, encore ça, c'est comme des anges, mais aussi de s'éloigner, voilà, d'allumer la lumière, de s'éloigner, et dans la nuit, de chercher une protection. Donc, il ne faut pas que les jeunes filles ou les jeunes femmes sortent dans la nuit quelque part, déjà, c'est fortement décommandé, mais également, il faudrait qu'elles demandent une protection spirituelle, c'est important. De nouveau, ici, protection, voyez. Ça, c'est là, par contre, là, c'est les petits-enfants. Toujours la prudence. Décidément, mon jeu ne me donne que des mises en garde. Parce que sinon, eh bien, la roue de la fortune peut être extrêmement négative ici. Bon, ok. On va regarder rapidement les politiques. Parce qu'on les entend pas. Hein. C'est très mou, tout ça. Oui, nous nous élevons contre blabla, cette barbarie. Oui, d'accord. Et alors? C'est tout. N'y a rien d'autre. Bon. Donc, on va regarder un petit peu leur. Pas leur. Ouais, un petit peu ce qu'ils pensent de tout ça, leur pensée, j'allais dire. Les politiques. Pourquoi ne disent-ils rien? C'est vraiment des pourris, hein. On est d'accord, je crois, hein. Des pourris et des pourritures, les politiques. Je ne supporte pas les hommes et les femmes politiques. Il y a le cas du sabotage qui est sorti, là. Ok. Il y a une volonté, à mon avis, de saboter vraiment les racines, hein, d'une société, mais aussi à un niveau spirituel malfaisant, on va dire démoniaque. Il y a une volonté très nette de détruire aussi ce qui est beau, hein. Ce qui est beau, ce qui est pur, hein. Ça, j'en suis sûre. Hein. Bon. Alors, nos hommes et nos femmes politiques, là. Alors, secret, bah, ils nous disent pas tout. Secret et piège. Piège secret. Donc, il y a un piège secret. D'accord. Ouais. Qu'est-ce qu'ils pensent de cette agression, de cette atrocité? Et je vous encourage vraiment à prier pour la petite jeune fille. Balance, équilibre. Ils jouent avec le feu. Et il y a des questions de destinée. Bon. Pour l'instant, balance, équilibre, bof. Il y a quand même la question de jouer avec le feu et de destinée. On va essayer de voir un peu plus. C'est pas très précis. Hein. Qu'est-ce qu'il pense de la situation? Ça, c'est jeteur de sort. C'est plutôt, en fait, jeteur de sort, non, c'est l'inversé. On casse le sort et l'eau. Bon, alors, ça va être du blabla. Hein. Ça va être du blabla. En fait, ils vont l'équilibre, c'est bah ça bouge pas. Hein, l'équilibre, quand on a un équilibre, ça, on ne fait rien. Et là, équilibre, donc pour casser le sort, mais en fait, justement pour briser ce qui est arrivé, pour briser les malédictions, un peu, on peut dire. Mais il n'y a rien qui se fera, hein. Puisque là, ils jouent avec le feu, mais en même temps, en ne faisant rien, mais en même temps, on voit qu'avec l'eau, c'est pareil, c'est passif. C'est passif. Est-ce que ça les touche au moins, cette agression? Bois, mélancolique, c'est. Comment on pourrait dire ça? C'est un sourire forcé quand même, hein?
Ça les touche en surface, moi j'ai l'impression, mélancolique. Ouais, ça peut les déprimer, mais un petit peu, quoi. C'est mélancolie, c'est l'état d'un moment, quoi. Mais c'est pas très profond, hein. Ça reste en surface, j'ai envie de dire. Est-ce qu'ils ont l'intention de prendre des mesures? Ouais, vous voyez, obstacle. Bah non, non. Bah non, parce que ce serait pas politiquement correct, n'est-ce pas? Donc, ils ne vont rien faire. Vous voyez, on a les questions d'équilibre, donc ça ne bouge pas. Là, c'est une ancre, donc on est ancré, donc ça ne bouge pas. On a l'eau, c'est passif. Pourtant, ils jouent avec le feu. Est-ce qu'on peut éventuellement attendre une réaction de la population? Il y a un poison. Bon, donc les gens sont quand même conscients qu'il y a quelque chose qui n'est pas bon, qui est toxique. Il y a les questions de montagnes russes. Alors, peut-on s'attendre à une réaction de la population? Les gens sont sur les montagnes russes. Alors, il y a une question de poison et de purification. Bon, les gens veulent que le poison soit purifié, donc oui. Mais les gens sont sur les montagnes russes. Donc, les gens sont dans les émotions. Ok, donc les gens réagissent de façon émotionnellement ou émotionnelle. Mais est-ce qu'il va y avoir une action? Paranormal, bof. Non, apparemment, non. Je sais pas pourquoi, j'ai des choses ésotériques, moi. C'est comme si les gens allaient, en fait, se servir éventuellement de la voyance ou d'autres choses pour souhaiter une amélioration. Vous voyez ce que je veux dire? Mais ce n'est pas une action concrète. Ils s'en remettent un peu à l'au-delà, quoi. Oui, l'au-delà va nous tirer de là, va nous sauver. C'est des vœux aussi. Candèle magique, ben, ça me fait penser quand même aussi un petit peu quand on allume une petite bougie, quoi. C'est un peu ça que je vois, c'est curieux. Je vois pas de... Ouais, l'œil du diable. Non, vous voyez, le problème, c'est que on a bien des questions de démons et de diables, hein. Donc, je vois pas de réaction de la population. C'est plus un vœu pieux, quoi. Oui, ils sont conscients qu'il y a un vrai poison qui doit être purifié. Mais qui sont donc dans les émotions, les gens réagissent de façon émotionnelle, comme avec le petit garçon Émile, c'est pareil. Mais il n'y a pas de gens qui vont sortir dans les rues en disant maintenant ça suffit, protéger les femmes, protéger les enfants. Je vois pas ça, c'est pas sorti. Parce qu'il y a aussi l'œil du démon qui est là. On a vraiment des questions démoniaques, hein, qui est très créatif d'ailleurs, ouais. Voilà. Et qui empêche toute action. Donc, non. Bon, je vous ai donné quand même certaines clés peut-être pour se protéger. On avait une intéressante avec le Dixit où on voyait une jeune femme avec une épée. Il faut que les femmes apprennent à se défendre. Il n'y a pas de, il y a pas de miracle. Fermer les fenêtres, fermer, mettre un système d'alarme, je sais pas moi. Tout fermer à clé et puis surtout être vigilante, quoi. Il va falloir apprendre à voir l'œil parce qu'au niveau de l'œil, on a l'œil du diable qui lui voit tout par contre. Vous voyez? Voilà, et ça c'est aussi les prédateurs qui surveillent, hein, qui regardent. Voilà pour cette vidéo, merci d'avoir regardé. Donc un peu tristounette la vidéo. Alors avant que je vous quitte, à chaque fois j'oublie de vous dire que... Alors c'est petit aparté commercial. À chaque fois j'oublie de vous dire que évidemment ces jolis bracelets, vous avez 15%. Voilà, de réduction si vous êtes intéressé ou si vous voulez faire un joli cadeau à petit prix. C'est un de mes bracelets préférés, celui-là, c'est la pierre de lune. Je suis très sensible aux énergies de la lune, puisque la lune, c'est en relation avec l'intuition, la sensibilité, tout ce qui est féminin. Mais la lune, en fait, c'est un astre qui est extrêmement puissant, donc qui est aussi protecteur. Voilà, donc j'utilise pratiquement, quand je fais de la voyance, pratiquement tout le temps. Voilà, donc je vous laisse découvrir la boutique, hein, et n'oubliez pas, avec le code MADI, vous avez 15%. Bon, bah écoutez, courage à tout le monde, hein. Faites une petite prière pour cette petite jeune fille. Je pense que la blessure de l'âme sera tout aussi grave que les blessures physiques. Pour moi, ce monstre-là, c'est dommage qu'il n'ait plus voilà, la Guillot, hein, la Guillot qui finit par Tine. Parce que pour moi, ce sont vraiment des démons et c'est très bien sorti dans les cartes. Donc, méfiance et vigilance constante. Voilà. À bientôt.